Vous avez déjà fait la trottinette aussi ou pas? Oui, j'en ai une à la maison. Marie, mais celle-là, elles ont l'air. Tu vas monter avec elle. Ça fait quoi après avoir gagné Koh-Lanta de monter la citadelle de Namur en trottinette? Très agréable sensation. Et voilà, quand on est bien entouré en plus, c'est cool. Et les trottinettes étaient top. Donc, très bon moment. C'est la première fois que je fais du trot électrique, mais je me suis régalé. Bon, c'est sûr que c'est plus facile avec ça que de faire le parcours du combattant avec pas grand chose dans le ventre. Pas de bobo, pas de blessé, pas d'accident. C'est vraiment super en trottinette et en plus avec une belle vue sur la fin. Alors, c'est pas la première fois en Belgique, mais en Namur, oui. Et avec un bel accueil hier soir, c'est vraiment super, mais ça n'a rien à voir avec toutes mes aventures. Et c'est la première fois que je mets un pied ou mes deux pieds en Belgique. Donc voilà, encore une fois, il fait beau, l'ambiance est bonne, donc je reviendrai. C'est l'aventure parce que moi j'ai mes pouces gelés. Bon, à part ça, c'était magnifique. Il y a des pros et des pas pros. Il y avait 2-3 dangers publics, c'est ça qui était compliqué. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Pour le moment, il n'y a pas eu de chute, mais. Il y a la descente maintenant. Il y a la descente. Dans la montée, c'était déjà dangereux, la descente, je la crains. Pour certains. Regarde, non, mais. Ah ouais. Alors. Moi, je suis sous l'ordre. Oh non. Oh, ah, pour moi, c'était important d'être là, bah, déjà pour la cause, pour Bertrand Kamel, mais aussi pour pouvoir découvrir Namur, passer un bon moment avec les copains et espérer gagner quelques jetons, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose.